Mais qui est Mathias Messi Le terrible grand frère de Lionel Messi écrit crée souvent des ennuis à la famille Messi. En 2018, à Villa Geselle, sur la côte d'Argentine, l'été touche à sa fin. Alors qu'il se dirige vers son lieu de travail, Javier Rivero se fait percuter à l'arrière par une Land Rover avant le passage d'un Dodan. Le ton monte entre les deux automobilistes, des coups et insultes fusent. Il me menaçait, était très violent, déclare Rivero. Quelques jours après les faits au quotidien Clarin, il me disait Tu ne sais pas qui suis-je. Puis il est dirigé vers le coffre, a sorti une arme et l'a dirigé vers moi. Il est remonté dans sa voiture et a cherché à m'écraser avant de percuter à nouveau ma voiture et de prendre la fuite. L'homme en question est arrêté un peu plus tard par la police et incarcéré à Pinamar avant d'être relâché. Aucune arme n'a été trouvée dans le véhicule. Il s'appelle Mathias Messi et est de 5 ans le frère aîné de Lionel Messi, capitaine de la sélection d'Argentine et joueur du Paris Saint-Germain. Mathias Messi défraye de nouveau la chronique en ayant sévèrement critiqué le FC Barcelone et son président Juan Laporta. Ces dernières années, le frère de Lionel Messi était surtout connu par ses déboires avec la justice. Il a mis son petit frère dans l'embarras en tenant des propos flatteurs et très orgueilleux vis-à-vis -vis du Barça et de son président Juan Laporta. Mathias Messi a déclenché un petit scandale en Catalogne ce qui l'a obligé à présenter ses excuses après avoir vu l'entourage de Lionel Messi communiquer en catastrophe pour prendre des distances il y a des chances pour que les proches du champion du monde argentin n'aient pas été totalement surpris par cette sortie de route car le deuxième de la famille, après Rodrigo Messi et avant Lionel Messi, Maria Sol Messi n'est certainement pas le plus sage. Vu de l'extérieur, Mathias Messi, 40 ans, est principalement connu pour ses devoirs avec la justice et son affection interdite pour les armes. Le port d'un pistolet chargé lui vaut une arrestation en 2008 à Rosario, la ville surnommée Chicago-Argentin qui est aussi celle de où la famille a toujours vécu. Il est à nouveau accusé de transporter une arme en 2015, Rébelote en décembre 2017, quand la justice d'Argentine finit par l'assigner à résidence après un accident de bateau qui lui avait causé une fracture au visage. La police avait découvert un pistolet dans son embarcation. La justice a encore affaire à lui en mars 2018 après avoir porté des coups à un automobiliste à la suite d'un accident de la route. La victime dira avoir aussi été menacée avec une arme. L'affaire oblige Mathias Messi à demander une autorisation spéciale pour se rendre en Russie afin d'assister à la Coupe du Monde. Au terme de celle-ci, la justice finit par le condamner à deux ans et demi de prison pour l'affaire de l'arme dans le bateau. Les démêlés avec la justice remonte même à l'époque où Lionel Messi n'est pas. N'est pas encore un grand jour, mais qu'un espoir des équipes de jeunes du Barça. Des accusations, des menaces et des vols lui valent deux procédures en 2001 et en 2002. Dix ans plus tard, sa maison est visée par des tirs. Une piste de l'enquête s'oriente vers son amitié avec le fils d'un baron de la drogue recherchée pour homicide. Homme d'affaires en Argentine, Matsu gravite autour de son frère malgré le tumulte. Il était au premier loge au Qatar pour assister au sacre mondial du numéro 10, dont il est le premier fan au point d'avoir un tatouage de son portrait sur le bras gauche. Voici Macas Messi.